Cette Let's go, se baby. Propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire. Il y a une foule incontrôlable dans la rue. Les bâtiments sont en feu. Les autorités se préparent pour plus d'émeutes ce on soir. On assiste à des incendies, des affrontements. On l'a retrouvé un peu chiant. Le visage complètement défiguré. L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville. Le CDC place en quarantaine une partie du Midwest des États-Unis. Engagement, honnêteté et intégrité. Telles sont les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella Corporation. Umbrella Corporation. Et ce sont ces valeurs qui contribuent à construire un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. Pas l'air très gentil, monsieur. Ah, il n'y avait pas de nom de code. Est-ce que c'est Jill? C'est creepy quand même. Ah, elle est très 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 beaucoup moins jolie là comme ça, Jill. Salut Veska. Oh, les cauchemars empirent. Ah bah là, elle est plus jolie comme ça, Jill. Belle gosse, Jill Valentine. Allô? Non, allô? Allô? Jill, est-ce que ça va? Brad, c'est toi? Écoute, sors vite de chez toi. Qu'est-ce que tu racontes? Pas le temps de t'expliquer. Va-t'en de chez toi. Ah, tout ok. Suite. Ok, je me prépare et je... Ah, bah ok, non. Waouh, c'est qui, lui? Il ressemble pas au Némésis? What the fuck, gros? Ah, il est en plomb. Ok, je cours. Ok, je cours. Exit. Wow. C'est passé à un cheveu. Passer à un cheveu de ma gueule. Oh, tiens bon mon gars, quelqu'un va venir te chercher.
Ok, bah ça sera pas moi déjà. Monsieur, vous avez une langue qui sort de la main, est-ce que c'est normal? Bien joué ça. Nice boule. Wouf. Wouf, wouf, wouf. Projection vers l'avant, il n'y a pas de problème. Ah, il est d'une violence lui, jamais il va me lâcher. Hein. C'est dingue. Oh, c'est un colosse le type. C'est un colosse le type. Et là, il peut pas casser les blocs de pierre, vous allez me dire, alors qu'il traverse les murs et tout. Là, il peut me ken tout de suite. Hein. Quitter la ville. Ouais, ça serait une bonne idée, tu vois. Ok, premier trophée. Réveil difficile. Ça va ? C'était quoi ça ? J'en ai aucune idée. Mais il a une dent contre les deux membres du Stars encore en ville. Toi et moi. Je vais pas moisir le jeu. T'as vu ce bordel? Si on reste là, je donne pas cher de notre peau. Je vous augmenterai le son du jeu pour lors du montage, les amis. Qu'on en est arrivé là? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que les emmerdes n'arrivent jamais seules. C'est comme Harkley et Empire. Salut les gens du chat. Alors qu'est-ce qu'il y a aussi, Nush? Disaster, Bad Luck Game. Ah, il y a des zonzons. Brad, attention. Ah oui. Tu viens de dire que lui, c'est un membre du Stars. Bah ok, c'est un blaireau surtout. Il y en a tellement. Salut toi au gros bide. Et salut le zombie par terre, ok. Bon là, je crois qu'on a pas trop le temps parce qu'on a pas d'armes. Allez, bien joué ça. La porte derrière, vite. Oh, il tient avec un bras à la porte, lui. Ah bah non, ok. Coup de couteau. Oh, GG. Ah bah... Zombie, hein, désolé. On va s'en sortir tous les deux. Ah, Nedil, je sais comment ça va finir. Non, tais-toi. On est toujours une équipe. Évidemment. Alors promets-moi de pas te faire avoir comme moi. Va-t'en. Mets-lui une balle dans la tête maintenant, sinon tu vas le regretter après. Ok, elle préfère qu'il soit zombie avant de lui mettre une cartouche. Bon bah. Ah, un petit Beretta. Un Barrette ? Non, c'est un petit Beretta, pardon. Barrette, c'est la grosse mitraillette. Salut, toi ! Moche ! Waouh ! Ok ! Bah, j'ai plus assez de balles pour vous tous. Hein. Je me casse. Ok, je vais sur le toit du parking. Pas de problème. Est-ce que vous avez des munitions ? Je suis cool, tu vois pas que j'ai un gun. Allez, vous avez entendu, l'hélicoptère va vous conduire en lieu sûr. Il va se faire bouffer, lui. Sûr à 100%. Le parking n'est pas loin. Je peux vous y emmener. Le seul lieu sûr, c'est là-dedans. Eh ben, restez bien là-dedans et puis... tu vas bien te faire bouffer par un liqueur ou je sais pas quoi. C'est quoi cet ascenseur qui s'ouvre pas? Ok, laisse-nous souffler un peu quand même. Ouais, ça démarre plutôt fort.
Ça démarre plus fort que sur le 2. Ah bah non. Je pensais tranquillement partir aux Bahamas avec mon hélico. Mais du coup, ça sera pas pour aujourd'hui. Ah, encore lui. Ok, toi tu dégages. Laisse-moi conduire la voiture. Troisième, c'est toujours la bonne. Ah. Roule, roule, roule. Wow, comment c'est violent, les potes. Je vais écraser sa gueule de merde. Le gars, c'est une machine. Le type, c'est une machine. Oh, il est chaud, le type. Hey, tout va bien. Je suis là. Beau gosse. Moi, c'est Carlos. Je viens te sauver. Allez, on va se mettre à l'abri. Je vais aller te faire des tacos. Crains rien. Deuxième trophée. C'est bon. Putain, elle est bien équipée au niveau des... Bon, j'ai compris. Vous voyez, hein. Allez. Quand même, hein. Regardez. Oh, ton regard de profil... Quel connard qui a fermé ça. C'est pas mal. Désolé, on va devoir faire le tour. Hé, qu'est-ce que tu sais sur ce monstre? Rien. J'ai jamais rien vu de semblable. Mais c'est pas un zombie. Il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir. T'aimes pas ce genre de mec? Non, merci. Non. Je te laisse. J'aime pas trop le Némésis. Écoute, avec moi, tout va bien se passer. Si tu vois ce que je veux dire. Le groupe de lutte contre les menaces biologiques d'Umbrella. Le BCS. Moi, c'est une blague, c'est ça? C'est vous qui avez causé tout ça. Du calme. Qu'est-ce que tu racontes? On est là pour aider la population. C'est quoi le problème avec Umbrella? C'est quoi le problème avec Umbrella? J'hallucine. Ta boîte est juste coupable d'avoir contaminé tout le monde, bordel! Ah ouais. C'est la première fois que j'entends ça. Écoute, t'es pas obligé de me croire. Mais moi, je vais à l'abri. Viens. Allez. Ok, bah je te suis, moi. Je te suis, t'as l'air d'être sûr de ton coup. Ah ok, c'est comme dans la démo ici. Capitaine. Salut Crapule. Merci pour le raid avec les trois viewers, Crapule. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Carlos, t'as même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait dans la démo, les amis. Il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon, le STARS. Son nom... C'est quelque chose comme Valentine. C'est Jill. Ravi de te rencontrer, Jill. Je suis Mikhail Victor, chef de peloton de l'UBCS. Mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils. Je vois. Et comment ça se passe? La ville est complètement coupée du monde, isolée. La grande majorité des 100 000 citoyens de la ville vont mourir. Go la maintenue, Jill Valentine. Ah, attends, pas tout de suite quand même. Mon peloton a essuyé de sérieuses pertes. Garantir leur survie. En tout cas, le jeu, il est beau. Hein. Je vous le dis, il est vraiment très beau. Vous pouvez remercier votre employeur pour ça.
Ouais. Eh bien, on fait tout ce qu'on peut ici. Si on réussissait à faire démarrer ce train, on pourrait évacuer quelques survivants. Mais on a besoin d'aide. Mes hommes n'y arriveront pas tout seuls. Très bien. J'en suis. Et je fais ça pour eux, pas pour vous. Hé, hey, oh. On veut tous la même chose. Merci, tu es... Le Résistance, oui, il y est. Bon, super flic. Il est sur le même CD. Prends ça. Ça nous servira à rester en contact. Je sais ce que t'as deux fichiers, en fait. Bon, on veut pas perdre de temps. Est-ce que tu peux me donner ta petite mitraillette, là ? Dirige-toi vers la sortie. Tu trouveras du matériel. Ok, on a de la poudre. Carlos, je suis dans la rue principale. Faut que j'aille où ? Tu vois une tour de transmission ? C'est la sous-station. Non, moi j'ai jamais vu. Je connais Blackie, mais j'ai jamais vu. Tu veux dire, Blackie est en feu ? Peut-être. C'est pas de ma faute si ton regard de braise a encore fait des ravages. Va te faire voir. Va te faire voir, il lui a dit. Ah, j'ai fait un gros pipi. Ah ouais, là, c'était pas comme ça avant, normalement. Ah ouais, ça a bien changé. Hein. Ok. Ça a changé de place, d'accord. T'es de l'UBCS ? Salut. Ouais. Ok, fais-moi voir ça. Non, 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 attends. Ah oh. Putain, mais ça va pas. Il était infecté. Il était peut-être infecté. Vous êtes tous comme ça, Stars. Je comprends pourquoi vous vous faites tuer. Et vous alors, à l'UBCS, vous vous tuez entre vous, c'est ça? Il allait se transformer. Tu as envie de mourir jeune ou quoi, toi? Oh, il a l'air d'être sérieux, lui. Retourne plutôt à la station de métro. On n'a pas besoin d'une âme sensible comme toi dans les pattes. Il est pas là pour faire un Monopoly, à mon avis, les amis. Ok. Si ça, y a un... Oh, putain, attends. Ah, sale chien de merde. Ta mère. Ah d'accord, les chiens, ils rigolent pas trop. Ok. Alors du coup, on va utiliser le crochet pour passer... Parce que si on le claque ailleurs, on est bloqué. On sera forcément bloqué si on le claque ailleurs, donc on est obligé de passer par ici. Oh oh. Vous l'avez vu, hein. Ça bave. Ah, c'est quoi cette gorge profonde que tu me fais? Oh la vache! Ah bah lui, c'est sûr, il m'a mis quelque chose. Mon estomac! Ah, je vais crever là, non? Oh, j'ai des parasites à l'intérieur! Ils vont faire des bébés dans moi. Ah, puis il y a l'autre en plus au-dessus. Bah bien sûr. Ah, je vomis. Je vomis sa mère. D'accord. Oh putain, y'a... C'est quoi ces araignées de la mort, là? Tiens, c'est vous? Ne m'attaque pas par derrière, hein. On va pas être copine, sinon, hein, je te le dis. Ah, t'as vu comme il m'a mis une gorge profonde, l'autre, là? Elle va me faire
Elle va me faire chier cette araignée là. Elle va me faire littéralement chier. Je te surveille hein. Ok, donc il faut aller réactiver le gène qui est là-bas, je pense. Enfin, l'espèce de con. Oh putain, regardez. C'est quoi ça? Ça crépite. Ok, non, c'est juste du clipping. Waouh, le clipping! Waouh, Capcom, vous avez fait quoi là? Non, il y a un truc qui marche. Je l'entends. Y'a un truc qui se déplace. La vie de moi, y'a un truc qui se déplace. Je sais pas où. Ça doit être ça. Ah merde. Ça va arriver dans ma gueule. Voilà. Allez, gorge profonde, une deuxième fois. Mais casse-toi! Putain de bestiole de merde. Ah, je vais la pomper elle. Ah non, il en manque un. Ah non, j'ai fait les 4. D'accord. Ok. Il y a quand même une range. C'est Jill. Ça y est, j'ai rétabli le courant. Assez courte, hein. Beau travail. Prochaine étape. Le système de contrôle du trafic. Ça devrait être dans les bureaux de la compagnie de métro. Ouais. Je crois savoir quel bâtiment c'est. Ah ouais? Ça fait plaisir de voir que t'as toujours une longueur. Ils ont disparu les zombies. On n'est pas partenaires. Bon là je suis un peu blessé par contre, mais j'ai pas envie d'utiliser mon soin tout de suite. Ah, ah salut! Qu'est-ce que je fais? Bah bloqué, ok. Bon bah mort, bah zut, ça y est.